Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc on continue la série de Fast and Furious. Donc j'essaie de la finir au plus vite pour passer à autre chose. J'ai envie de terminer cette série voilà, pour être tranquille et pas faire celle-là et une autre en même temps, voilà. Donc je préfère finir celle-là, comme ça ensuite je suis tranquille. Voilà, donc j'espère que vos vacances se passent bien et que vous profitez un maximum. Voilà. Donc aujourd'hui, on va parler de la voiture que nous allons reproduire. Donc aujourd'hui, on va reproduire la Nissan GT-R. Donc de Fast and Furious 5. Et on l'aperçoit aussi dans le 6. Voilà. Donc pour cette voiture, il vous faudra la Anis Elegy. Donc la voiture gratuite dans GTA. Donc Internet, Voyage et Transport, Legendary Motorsport. Ensuite, la Elegy, voilà, Anis Elegy RH8 $0. Voilà, donc tout le monde peut se l'acheter. Voilà, donc on va y aller tout de suite. C'est parti. Alors, nous allons dans pare-choc avant et vous allez mettre le spoiler moustache. Ensuite, pare-choc arrière, vous allez prendre le arrière pare-choc arrière peint, donc le numéro 3. Ensuite, la calandre. La calandre, vous allez prendre radiateur d'air apparent. Capot, rien ne change. Ensuite, éclairage, les phares, voilà. Il n'y a pas de néon, enfin moi j'ai des néons blancs en dessous, mais bon, c'est pas très grave. Ensuite la peinture. Alors pour la peinture, donc pour ceux qui n'ont pas débloqué tous les métaux, donc vous allez aller dans classique et vous allez prendre argent ou argent bleuté, voilà. Ouais, argent bleuté. Moi je vais prendre métaux et je vais prendre... c'est aluminium brossé, voilà. Donc pour la couleur secondaire, on fait la même chose. Mince, métaux, aluminium brossé, voilà. Ensuite, les bas de caisse. Donc les bas de caisse, c'est les numéros 3. Bas de caisse custom. Ensuite, l'aileron. L'aileron, c'est l'aileron tuning, voilà. Et ensuite, on passe aux jantes. Donc, comme d'habitude, type de roue. Voilà. Donc, vous allez dans sport. Et vous... série, surtout... pardon. Les numéros 14. Les dumper 7. Donc, 14. Dumper 7. Voilà. Ensuite, vous allez aller dans la couleur des jantes. Et vous allez mettre noir. Voilà. Donc, notre Nissan GT-R est terminé. J'aime bien, cette voiture, elle est pas mal. Malgré que c'est une voiture gratuite dans le jeu, elle est vraiment cool. Voilà. Donc avec la Elegy, on peut faire plusieurs voitures hein, de Fast and Furious. Hein. Donc bon, je ne l'ai pas non plus acheté 50 fois. Je l'ai acheté deux fois cette voiture. Il y aura encore une autre Nissan. Enfin voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis si vous avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un petit like et à vous abonner pour ceux qui c'est pas déjà fait, ça me fera toujours plaisir. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo, c'était A4S Gameuse et je vous dis à la prochaine les potos, ciao.